Salut à tous et démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Sheltered Stars. On continue notre aventure et dans cet épisode, normalement, on devrait avoir les fameux embryons et savoir à quoi ça sert et ce que ça fait. Enfin, oui, savoir ce que ça fait. Enfin, bon, voilà, ça veut dire la même chose. Mais bref, c'est reparti. On va voir en même temps si on peut, si je peux. Alors attendez. Alors je suis désolé s'il y a un problème. J'ai un Alors désolé, j'ai un problème de micro. Je ne sais pas comment ça se fait. Pas ce que je voulais faire. Ah les voilà, ça y est. Allez, le micro. Je crois que ça s'est terminé en même temps, oui. On va récolter. J'espère juste que j'ai assez de place. Oh oui, 50. Je crois qu'il ramène 30. J'espère que l'audio s'enregistre parce que. Sinon, je suis un peu dans la merde. D'accord. Donc là, c'est-à-dire que je peux, même si j'explore d'autres lieux, ça va rien me donner de plus. Je crois. Ok. On prend tout. On confirme, je joue. Ok, c'est nickel. On va peut-être regarder tout de suite les choses intéressantes. Ceci. Vas-y, fabrique. Va fabriquer. Laisse les gars rentrer se reposer et tout là. Alors attends. Embryon, d'accord. 2 sur 9. Et ça fait quoi alors? Est-ce qu'il faut avoir 9 embryons? Est-ce que je sais pas. 0 sur 9. 2 sur 9, ça fait quoi? Quand on a tout entier, on a une nouvelle personne, on a. C'est compliqué, hein? Des choses qu'on comprend pas trop dans le jeu. On peut toujours pas fabriquer. J'aurais bien voulu quand même. Ah merde, j'ai fait un circuit électronique de trop. C'est pas grave. Oh là, mais il se passe quoi avec le casque? Sérieux? C'est long parce qu'en plus on n'a pas vérifié des trucs. Pharmacie, il n'y a pas une. Alors attends, là par contre. Ok, non. Genre, il y a des maisons là, mais. D'accord. Faut que je zoome pour bien les voir? Ah, ouais, peut-être. Si je dé... Ah, d'accord. Faut que je zoome pour bien les voir. Ok. Pardon. Désolé. Après, ceci dit, sans doute, vous entendez même plus. Ok, bon. Correct. Ça, c'est d'accord. Ajouter des pièces. Mais tant qu'à faire, va ajouter la pièce, hein. Je sais pas moi, mais. Ah, je veux voir.
C'est tout? C'est naze. C'est naze. Bon. On va laisser les gars se reposer. 27 sans déconner, quoi. D'accord. Un peu compliqué quand même, hein, à tout comprendre. Et le papy, il nous dit rien. Non, non, rien du tout. Bon. Utiliser pas seulement écologique, c'est également extrêmement. Pas le temps de lire, c'est pas grave. Donc en théorie, voilà, donc il y en a un en moins. Ça c'est cool par contre. Donc j'ai pas l'alliage. J'ai un machin, un truc bidule là. J'ai un seul carbone enfoncé. Ça j'en ai pas. Ça j'ai un alliage. Attends, 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 attends. Non, d'accord. Ça j'en ai qu'un. Et ça j'en ai pas. D'accord. Ok. C'est pas mal. N'empêche, mine de rien, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je serais bien tenté quand même, hein. Je serais bien tenté. Allez, vas-y, on est fou. On va le faire. J'arrive à le poser quelque part, ça c'est autre chose. Non, oui, non. Oui. On va le faire là. Maman. Oublie ça. Mais non. Ça va te faire bizarre. Hein. Est-ce qu'elle récupère plus vite? J'ai pas plus. Oh, quoi que, je sais pas. Grégory, attaque le verre. J'suis dedans. Désolé, t'as faim, t'as soif, t'es. Je suis désolé. Mais c'est pas grave. Parce que là. Comme on dit. Non, on va prendre Nancy. Elle dort, mais c'est pas grave. Grégory, tu vas prendre le couteau. Deux. J'ai toujours pas regardé s'il y avait des armures. C'est pas grave. Donc, Nancy, tu vas prendre un pistolet. Une munition au cas où. Et deux. Confirmé, oui. Oh, il va falloir que j'aille attaquer l'autre. Oh, la saloperie. Allez, un petit saignement. Parfait. Voilà, ça c'est fait.
Mais non, ça va pas tuer les deux. Forcément. Ça va bien que je retrouve un couteau quand même. Non, mais non, mais n'importe quoi. Allez, l'attaque des gnomes. Elle est beaucoup plus rapide quand même, hein. Bon bah lui, pas de pitié. Wesh. Non, 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 non. Pardon. Il prend du trouble, mais bon. C'est pas plus grave que ça en vrai. On a 15 de nourriture. Oh, checker quand même un peu, hein, parce que bon. Mine de rien. Bon, attendez. Que j'aille voir tout de suite là, parce que ça me turlupine. Alors, ça déjà. On va arrêter. Non, on va arrêter d'épingler la recette. Ça, on l'a fait, on va arrêter d'épingler la recette. Garde-manger, non. Mais alors, par contre, où est-ce qu'il... Ça, on l'a fait. On l'a fait. Détacher la recette. Mieux vaut détacher les recettes parfois parce que... On sait pas trop, hein. On a fait lui, donc on va détacher la recette. Faudrait qu'on fasse lui aussi, hein. Un pas de corde, il nous manque un cuir. Bon. Ça par contre, il faudra toujours, je pense. C'est super utile. Ou alors des trousses de soins, font-ils en média pour récupérer de la santé, guérir aussi les saignements. Ça serait peut-être bien d'en faire de ça. J'en possède zéro. Il faut faire des bandages. Bandages, je peux en faire pas mal. Oh, tu te rends compte en fait, Grégory, tu souffres. Pourquoi vous souffrez? Ah non, oui, d'accord. Il est là l'intérêt, maintenant tu comprends mieux, tu sais. Ah, ça te donne du fer, ça. Ça donne du ça. Ok. Ça. Ah ouais. L'état de bouse là, c'est bien. L'état de bouse, c'est très très bien. Là là. Alors désolé, je sais pas du tout hein, si ça vous fait si je serai au montage. Je suis vraiment désolé. Alors ce qui manque un petit peu, c'est de d'avoir le temps que ça va faire plus haut. Alors attendez. On a 13 de repas. On va peut-être dire à madame. Graines avec engrais, vas-y, je t'en prie. Après, on n'a pas 36 000 eaux, ce serait bien qu'il repleuve. Et arroser. Un seul, ça ira, je pense. Après, on va réorganiser l'abri, on va prendre ça, on va le descendre, on va le mettre là. Forcément. Desserrer.
Je sais pas ce qu'on pourra mettre là, hein, mais on verra bien. Et du coup, on va démonter lui. Tout est réparé, tout est clean, c'est cool. Je crois que les combinaisons, ils ont pris un niveau. Ok, d'accord. 2 points, d'accord. Monter à 2. Pour équilibrer un petit peu. Et Grégory. Donc c'est père. Non, non, mais non, mais non. Stockage, je suis plutôt pas mal. Batterie, pour aller plus loin, je pense. Donc Nancy, c'est la mère. Je pense qu'on va tous les égaler à peu près, hein. Je pense que c'est le mieux. Ou pas. Ben en fait, le problème, c'est que. Il faudrait que j'arrive à trouver un autre couteau, en fait. Écoute, on va te mettre en ça. Ensuite. Marc, donc c'est le garçon. Donc on va quand même, hop, pour qu'il y ait un équilibre. Bien envie de mettre, hein. Ajouter des points à l'attribut résistance, augmente la résistance aux dégâts de la combinaison au combat et la quantité de tirs qu'elle peut détourner. On sait jamais, parce que on sait pas encore tout ce qu'on va rencontrer dans l'histoire. Donc, et Lucie, l'amour et le rock'n'roll, on va lui mettre aussi dans l'armure. Les enfants, c'est. Hein, c'est. Voilà. Donc, alors là, j'ai tous les points par rapport au lieu. Ah, j'ai peut-être eu un point aussi à distance parcourue, je pense. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Ok. D'accord. Donc il y en a une qui est pas prête. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être parce que elle. Ah oui, bah oui. Oui. Il y a plus d'énergie, donc forcément. Les jours défilent quand même, hein. C'est ouf. Alors, Marc, il se sent bien. Et ah, le problème de Grégory. Grégory n'est pas. Oh putain, Grégory, il est stressé. Il est quoi? Grégory, qu'est-ce qui se passe, Grégory? C'est où déjà? C'est là. Famille. Grégory, qu'est-ce qui t'arrive? Se sent bien. Ah, il est stressé, Grégory. Grégory, tu. Un petit anti-stress. Non. Pharmacie. Anti-radiation. Attends. Le stress, c'est quoi? Un calmant? Non. Anti-radiation, non. Bandage. Antimiétique. Oh. Antimiétique. Antirad. Oh, c'est chaud quand même. Cet enzyme fait maison et consomme un mélange d'herbes. Il peut atténuer le stress. Et ça, c'est quoi? Guérir les infections. Ah, le stress. Mais il me faut des mille pertuis perforés. Ok. Je sais pas ce que c'est. On sait rien. Par contre, il est stressé là, le bonhomme. C'est chaud. Comment on fait pour le déstresser? Va dormir, garçon.
Non. Va dormir, ça va te déstresser, je pense. J'espère. Parce que sinon, on est dans la merde. S'allumer de pouce, ok, c'est parfait. Ah oui, descend petit à petit le stress, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, non, 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 non. Ah, t'es connerie, quoi. Déjà que c'est un chauve, qu'est-ce qu'il dit? Ah, t'es déconné. Alors, Marc, tu vas réparer ça. Et Nancy, du coup, tu vas aller faire des bandages, je crois. Ouais. Je crois que tu vas aller faire des. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas leur dire d'aller en faire 10 ou 20. Ah, merde. On a un petit Z en haut. Et c'est pareil, on n'a pas récupéré de. Non. Il manque deux disjoncteurs. Oh, c'est pas faisable ça, les deux disjoncteurs. Sérieux? Créateur d'objets fabriqués. Ah, il faut 50 quand même. Deux. Il faudrait que j'en mette 25. Chaud quand même. Oh, 12, 16, 21. Admettons, j'en mets un. 29, non, ça sert à rien. Ceci, ça sert à rien non plus. Chier. Bon, on en enlevait un alors. On va mettre deux pour un plastique. On va faire qu'un, puis on en fera un après. Ça, on pourra au moins faire les. Alors, si vous avez des infos justement sur. Alors. Du nylon, des clous, bandage. Ouais, du coup, il y a beaucoup plus d'intérêt les choses là-dedans que sur l'autre. Et je trouve ça super. Bon, après, il y a des choses que je trouve un peu chiant, certes, mais c'est super comme ça. Oh, le bruit du bordel, toi. Ok. Sol humide pour le moment. Greg, bah voilà, c'est mieux, Greg. T'as perdu du stress, c'est cool. Alors, j'ai quand même bien envie de réparer. De réparer.
C'est quoi ça? Toilette efficace. Et ça, c'est quoi? Bonne toilette. J'ai plutôt envie d'utiliser des toilettes efficaces. Pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que ça peut être pas mal. On va reprendre Nancy. Je pense que de toute façon, c'est forcément mieux, hein. C'est plus logique quoi. Ça utilise moins d'eau. Au moins c'est pour leurs petites fesses délicates. Ça peut être bien. Alors attends, j'ai récupéré des jouets je crois, non? J'ai un jouet. Alors du coup, est-ce que... Pas jouer, sale gosse. Écoutez, on va s'arrêter là. Alors, on a les embryons. Alors, je ne sais pas ce que ça fait. J'en sais strictement rien. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir des nouvelles personnes? Ou pas? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Est-ce que pour partir, il faut avoir la totalité des embryons? Ça me paraît bizarre. Après un demi-siècle stage, une famille apprend qu'elle est le dernier espoir de l'humanité. Une nouvelle planète doit être découverte et une colonie doit y être fondée. Seront-ils capables de lancer la fusée et de quitter la Terre? Déjà, on l'a pas encore construit, hein, la fusée. Hein. Je vous rappelle que il faut encore tout cela. Encore ces six éléments-là. L'alliage de nickel, on ne l'a pas encore trouvé. On n'a trouvé qu'un élément nano et machin truc. Carbone renfoncé. Mais alors, la question que je me pose. On est d'accord? Ah bah oui, si je peux en envoyer un et un. D'accord. Ok. Non, mais c'est bon. Je me suis répondu à ma question. C'est hyper sélectif quand même, hein. J'aime pas les doublons. Ça a rien d'avoir deux toilettes, surtout qu'il y en a une qui. Les valves. On va mettre ça. D'accord. Là, du coup, il n'y a plus besoin de... va éventuellement faire ça. Bref. Oh là, oh là, oh là.
Alors, je suis désolé hein, si vous entendez des grésillements, si le son coupe ou des choses comme ça, je suis vraiment désolé. Putain, j'ai pas vu qu'il en était déjà à 30 minutes de vidéo. On va se laisser là. Je vous remercie de regarder les vidéos. N'hésitez pas à le like, le commentaire. Hein, vous connaissez tout, les choses. Mais surtout dans les commentaires, donnez si vous avez des astuces, si vous connaissez le jeu, si vous savez où aller. N'hésitez pas à tout me mettre ça sur les commentaires. Ça serait super cool. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.